Bonjour à tous, bienvenue sur l'Automobile Magazine. Bienvenue ici en Espagne, dans un studio photo. On va parler d'une marque très caliente, hein, puisqu'on est avec Cupra aujourd'hui. On va parler un peu des nouveautés 2024. Pas toutes, mais les plus importantes. Et on va commencer par juste le best-seller de la marque, hein, tant qu'à faire, le Formentor, vous le voyez derrière moi. Et je vais vous montrer ce qui change dessus. Vous allez voir, il y a pas mal de trucs quand même. Alors, il s'agit d'un restylage, donc forcément, la silhouette, etc., on connaît déjà, ça ne bouge pas, les dimensions sont les mêmes, on est toujours sur 4,45 m de long et 1,84 m de large, mais vous avez dû le remarquer tout de suite, la face avant, par contre, il y a beaucoup de travail qui a été fait. On commence évidemment avec les optiques, hein, c'est souvent ce qui change le plus sur les restylages, c'est en tout cas ce que les constructeurs aiment bien changer. Donc on a une nouvelle signature lumineuse faite de 3 triangles. Et en fait, les triangles, vous vous rendrez compte qu'autour de la voiture, ça a été le thème principal. Ils en ont mis absolument de partout. Et en fait, cette signature lumineuse, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu un peu sur les voitures de Extreme E, pour ceux qui suivent un peu cette compétition, sur le concept d'Arc Rebel et sur le futur Tavascan, que normalement, nous devrions essayer un peu plus tard dans l'année. En tout cas, ça lui donne un regard un peu différent. Et vous voyez, quand je vous dis que les triangles, il y en a partout, il y en a vraiment partout. C'est-à-dire que si vous vous souvenez un peu de l'avant de l'ancien Formentor, et si vous vous en souvenez pas, on va vous mettre une petite photo juste là, comme ça au moins vous pouvez faire la comparaison. Les anti-brouillards qui étaient ronds sont eux aussi devenus en triangle. On a aussi un tout nouveau pare-choc, et Cupra a travaillé sur ce qu'ils appellent le nez de requin, leur shark nose. En fait, l'idée c'est qu'on n'a plus une grande calandre imposante comme on avait avant, on a maintenant une fine lame ici, et ensuite une grande ouverture en dessous. Ça permet de dynamiser un petit peu l'ensemble, ça permet d'avoir plusieurs couches, etc. Et surtout, ça leur a permis de bouger le logo Cupra cuivré de la calandre sur le haut du pare-choc. En tout cas, il y a pas mal de choses qui ont été faites sur cet avant. Les lignes de force, elles sont prolongées également dans le pare-choc. Ça amène un peu de dynamisme. Bref, on a un avant en pointe, c'est plutôt posé, c'est plutôt sympa. Ça dénature pas vraiment le Formentor et je trouve que c'est assez habile parce que ça donne pas non plus un coup de vieux à l'ancien. Je trouve que les deux cohabitent plutôt pas mal. En tout cas, il y a une chose que j'ai hâte, c'est de le voir dans la rue parce qu'on ne se rend pas toujours compte de tout ce qui a été fait avant de voir la voiture sous une vraie lumière. Parce que là, vous le voyez, les lampes de studio, c'est quelque chose, mais sous le soleil, ce sera autre chose. Et notamment, ça nous permettra de découvrir un peu cette nouvelle couleur qui est un bronze mat, tantôt doré, tantôt très gris, etc. Mais en tout cas, au soleil, à mon avis, ça va être beaucoup plus flashy. Sachez en tout cas qu'il y a 8 autres couleurs si jamais celle-là vous plaît pas, donc il y a du mat, du brillant, il y a plein d'autres choses. Mais en tout cas, toutes les voitures auront ces passages de roues ainsi que les bas de caisse en noir laqué. Ça c'est une constante sur tous les Formentor. Le profil, on va y passer assez rapidement parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas grand chose qui change. On trouve toujours toutes les lignes de carrosserie qu'on avait avant et notamment cette belle ligne de force à l'arrière là, qui assoit pas mal la silhouette de la voiture et qui permet de vraiment de la faire un peu entre une berline et un SUV. Ça a toujours été, le point fort du Formentor à mon sens. On a évidemment des nouvelles jantes, ici c'est du 19 pouces, il y aura également du 18 au catalogue, mais le dessin de celle-ci en l'occurrence ne change pas beaucoup. Par contre, ce qui va changer, c'est qu'en option, on peut avoir des jantes forgées, et ça permet de gagner quand même 12 kg de masse non suspendue, et ça c'est au bénéfice direct et de l'agilité et du confort, parce que ça fait moins de travail pour les suspensions, donc c'est pas mal. Sinon, on arrive à la partie que moi j'aime le plus, je crois, sur ce Formentor, c'est l'arrière. Et vous pouvez le voir, donc on a le petit nom Formentor rétroéclairé en LED ici, et on a ces magnifiques feux à LED avec plusieurs strates. Ça donne un vrai effet de profondeur, un vrai effet nouveauté. Moi, ça me plaît beaucoup. J'ai demandé, c'est pas de la technologie OLED, quelque chose qu'on a pu voir chez Audi ou BMW par exemple. Ça reste des LED classiques, mais en tout cas, le design, il fonctionne vachement bien. Et si on avait déjà un petit bandeau de LED qui relie les feux sur l'ancien, aujourd'hui, il se retrouve au milieu avec le logo Cupra rétroéclairé. Et donc en fait, le logo qui était avant dans un carré et qui servait d'ouverture de coffre aussi, a été complètement transformé. Donc maintenant, on a une petite poignée cachée ici pour ouvrir le coffre. Mais on a toujours ce lettrage Cupra en bronze, qui est quand même la couleur favorite, on va dire, de cette marque. Alors, comme sur l'actuelle génération du Formentor, cette version restylée, elle aura des échappements différents en fonction des motorisations. Ici, vous le voyez, on a des fausses sorties qui sont cuivrées. Ça veut dire qu'on est sur une version PHEV, une version hybride rechargeable. Donc, on conserve le 204 chevaux. En revanche, la version 204 chevaux hybride rechargeable qui existait déjà, maintenant, elle passe à 272 chevaux cumulés. Donc, ça commence à faire pas mal. Mais surtout, la vraie nouveauté de ces deux versions hybrides,
c'est qu'elles embarquent une batterie de 19,8 kWh. Ça va permettre, en théorie, d'accrocher plus de 100 km d'autonomie électrique. Donc franchement, ça fait plaisir. C'est une promesse. Évidemment que nous, on fera nos petites mesures pour être sûr que ce soit bien ça et qu'on arrive à vraiment rouler en tout électrique avec. Mais je pense que ça commence à devenir une proposition assez intéressante pour qui fait pas mal de villes et veut avoir des longs trajets de temps en temps. En tout cas, sachez qu'il y a aussi d'autres motorisations, bien sûr. On va commencer en entrée de gamme avec un 4 cylindres micro-hybride 1,5 litre qui fait 150 chevaux essence. On aura ensuite un diesel TDI 150 chevaux. Puis viennent les motorisations thermiques. Et là, c'est assez sympa. Donc, on a un 265 chevaux, nous, en France, un 4 cylindres turbo qui reste une simple traction comme toutes les autres motorisations dont je viens de vous parler. Et puis, tout en haut de la gamme, on arrive avec la version bien musclée, bien méchante qui fait désormais 333 chevaux. Elle faisait 310. Grâce à quelques petites optimisations, pardon, on arrive maintenant à 333. Et c'est la seule qui conserve la transmission intégrale, 4Drive. Par contre, la grosse nouveauté de cette version-là, et moi j'ai vraiment hâte de mettre la main dessus, c'est qu'elle embarque le fameux train arrière avec deux embrayages pilotés, qui est repris directement du VZ5, qui était la version 5 cylindres du Formentor, mais qui n'existe désormais plus. Donc maintenant on a 333 chevaux, et c'est ce fameux train arrière à deux embrayages pilotés. Ce que ça veut dire, pour être très simple dans l'explication, c'est juste qu'on peut faire varier le couple et la puissance qu'on envoie entre les roues arrière. Donc ça permet d'accélérer la roue arrière en virage et d'aider l'auto à pivoter. C'est un vrai effet de torque vectoring, mécanique. Vient avec ça un mode un peu débile, mais très rigolo, le mode drift, qui permet en fait simplement de mettre la voiture en glisse quasiment comme si c'était une propulsion. C'est évidemment pas tout à fait le cas. Mais ça fonctionne bien, sur le VZ5 c'était très marrant et ça octroyait vraiment une once d'agilité supplémentaire à la voiture. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur celle-là. Pour finir sur la partie un petit peu technique, le châssis n'a pas vraiment été retouché. En revanche, on peut avoir des freins Brembo en option sur les versions PHEV et on peut avoir des freins Akebono sur la version 333 chevaux. Si vous ne connaissez pas cet équipementier, c'est simplement ceux qui ont développé le système de freinage de l'incroyable McLaren P1. Juste ça. L'intérieur maintenant de ce Formentor restylé, parlons-en deux minutes, il y a pas mal de choses qui changent, donc c'est assez cool. En premier lieu, on trouve une nouvelle console centrale ici, avec une disposition des commandes un petit peu différente et des petits détails sympas. Par exemple, vous voyez, ça c'est la clé du véhicule qu'on peut mettre ici et qui est plutôt calée. Donc sur un véhicule à vocation sportive, c'est des petits détails, mais c'est assez appréciable. Ça évite de l'avoir dans la poche ou on ne sait pas où. Là, elle est là, elle bouge pas. C'est pas mal. Il y a eu un vrai effort de fait sur les matériaux, sur la qualité perçue. C'est un petit cran au-dessus de ce que c'était avant, ce qui n'est pas toujours le cas lors des restylages, donc c'est toujours sympa. Vous le voyez là, c'est un peu texturé, c'est joli. Les matériaux moussés, on les retrouve un peu partout. Il y en a aussi là, alors qu'il n'y en avait pas avant. C'était du plastique dur, cette console. Bref, il y a une petite montée en gamme, mais ça se sent assez pour que ce soit... visible, et ça fait plaisir. Au niveau des sièges, évidemment, on a des nouvelles selleries en fonction des finitions qu'on choisit. Sachez qu'il y a trois choix de sièges. On a, pour commencer, des sièges sport classiques que on n'a pas ici, que je peux pas vous montrer aujourd'hui. La finition, les sièges intermédiaires, pardon, sont ceux-ci, des baquets assez enveloppants. D'ailleurs, je suis plutôt bien dedans et très rembourré. Je pense que sur mon trajet, c'est confortable. Et sachez qu'en haut de gamme, on a aussi des sièges qui s'appellent Cup Bucket chez eux. En gros, c'est des sièges baquets à coque carbone très jolis et qui sont fabriqués par Sabelt. En dehors de ça, sinon, une des autres grosses nouveautés, elle est technologique et on peut la voir ici. C'est un partenariat qui a été fait avec Sennheiser. Donc, c'est pas une marque qu'on voit souvent dans les sonos embarqués des voitures, mais là, en l'occurrence, ils ont, avec Cupra, conçu un système à 12 haut-parleurs qui crache, si je dis pas de bêtises, 425 watts. Autant dire qu'il y a de quoi envoyer du son quand on a envie de se faire plaisir et qu'il y a des longs trajets autoroutiers où il se passe pas grand-chose. En dehors de ça, on a deux séries, deux écrans, celui pour l'écran compteur. Donc le Digital Cockpit, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, il est paramétrable, on peut afficher plusieurs choses dessus. Mais surtout, un tout nouvel écran tactile de 12,9 pouces avec un système d'infodivertissement qui a été complètement repensé. Changeons d'angle, que je vous parle de cet écran parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors, le système d'infodivertissement qui était vraiment un gros point noir chez Seat Cupra, il a été complètement repensé et heureusement, il est vachement plus simple à utiliser qu'avant. Je vous montre. En gros, ça, c'est la disposition classique de l'écran avec le GPS, etc.
On a ici tout ce qui est la recharge parce qu'on est ici sur une version PHEV. Et je vous parlais tout à l'heure de l'autonomie. Regardez, il y a 110 km annoncés. Faut pas vous y fier. Je sais pas si c'est des vrais chiffres ou si c'est un écran qu'ils ont mis comme ça pour la présentation. Mais voilà, en tout cas, vous savez que les infos, vous les trouvez ici. Et surtout, ce qui est sympa, c'est que maintenant, on n'a plus les trois barrettes verticales où on savait plus trop où on en était parce qu'on pouvait aussi bouger verticalement dedans. Maintenant, c'est cet écran-là de base. Si on a besoin d'aller chercher d'autres fonctionnalités, on a le tiroir d'application comme si c'était un smartphone en fait. Donc ça, c'est hyper facile. On peut retrouver tout ce dont on a besoin ici. Et il n'y a pas non plus, comme chez BMW, un milliard de choses. Là, les icônes sont assez grosses. On voit bien, on voit tout de suite, on identifie ce que c'est. Donc c'est assez pratique. Et sachez que si vous avez besoin de fonctions que vous utilisez régulièrement, quand vous êtes sur votre écran principal ici, vous avez maintenant trois widgets en haut. Donc vous pouvez, comme ils sont personnalisables, sélectionner exactement ce que vous voulez. Exemple, si je veux pas mon truc de média ici, je reste appuyé. Et du coup, je peux choisir d'avoir le téléphone, d'avoir le véhicule, d'avoir, je sais pas moi, la tonalité, enfin bref. Tout ça, on peut l'avoir en fait directement à portée de main. Et c'est une vraie nouveauté et je pense que c'est une super bonne idée. Sinon, évidemment que ces widgets-là sont également personnalisables. Et vous l'avez sûrement remarqué, maintenant, on a une barre en bas pour toutes les fonctions de climatisation. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'aller chercher dans 47 menus. On a la température ici, vous le voyez, les fonctions de clim, le dégivrage, les sièges chauffants, etc. Un mode automatique que je vais essayer de pas trop activer parce que sinon ça va faire du bruit. Et voilà, si vous cliquez ici, vous avez l'entièreté du système. Mais les commandes dont on a besoin tout le temps, elles sont toujours visibles en bas en fait, que vous soyez sur cet écran clim ou pas. Donc ça, c'est quand même une vraie nouveauté en termes d'ergonomie. Sinon, c'est quand même bon de le noter. Maintenant, ces parties-là, elles sont rétroéclairées, donc on peut les voir la nuit. Ce n'était pas le cas avant, donc toutes ces barres tactiles, maintenant on les voit. Est-ce que ça veut dire que c'est toujours une galère à utiliser en roulant? Absolument, ça n'a pas changé, mais au moins, on sait à peu près où on pose le doigt, ce qui est déjà pas mal. En tout cas, l'effort qui a été fait là-dessus, franchement, je le trouve assez louable. Bon, je vous parlais d'autres nouveautés, et en effet, je vous ai pas vraiment tout dit. Parce que si on a là ce Formentor, magie de l'editing, il y a aussi la nouvelle Leon. Donc vous la voyez, 5 portes ici, break par là, ça change pas, hein. On avait exactement déjà ça sur les versions non restylées. Le restylage, il apporte, bah, comme sur le Formentor, la même chose, une face avant retravaillée, surtout avec cette calandre nez de requin, le logo qui a migré vers le haut plutôt que sur la calandre, et puis un pare-choc un peu retravaillé. Surtout, ce que je voulais vous montrer en termes de détails qu'on n'avait pas sur l'autre, sur le Formentor, c'est ça, ce dessin-là. Parce que ça, c'est les jantes forgées. Donc ces jantes-là permettent, sur la Leon, de sauver 8 kg de masse non suspendue, donc c'est toujours bon à prendre. Et puis l'autre chose aussi que je peux vous montrer ici, qui n'était pas sur le Formentor, ce sont les sièges. Donc les fameux cup buckets dont je vous parlais tout à l'heure. Donc des baquets très creusés, fabriqués par Sabelt, et avec, s'il vous plaît, une sellerie en plus, en matériaux recyclés, donc c'est toujours bon à prendre. Ce qui est sympa avec ces baquets-là, c'est que certes, les passagers arrière, bon, ils verront peut-être un peu moins bien la route, mais ils profitent d'une magnifique coque en carbone, en revanche. Ça fait quand même plaisir d'avoir des sièges aussi quali sur une voiture à ce niveau de gamme, c'est pas toujours donné, donc c'est sympa. Sinon, pour le reste, c'est Leon, c'est très équivalent au Formentor. Hein. Niveau motorisation, on a également à peu près la même gamme. Sachez que donc on commence avec le 1 litre ITSI micro-hybride 150 chevaux, puis le TDI 150 chevaux. Et par contre, concernant l'essence, on a vachement moins de choix. Celle-ci, la 5 portes, elle reste pure traction, c'est-à-dire que du coup, on est cantonné à 300 chevaux maximum, ce qui est déjà bien assez pour le train avant, croyez-moi. Et par contre, si on veut vraiment le truc bien méchant, c'est le break qu'il faudra prendre parce que lui existe avec le moteur de 333 chevaux, les 4 roues motrices et surtout ce fameux train arrière dont je vous parlais à 2 embrayages pour les modes drift et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà un peu pour nos nouveautés de Cupra de cette année, enfin que je vous ai pu vous présenter aujourd'hui. Sachez en tout cas que très bientôt, on devrait pouvoir conduire le Tavascan et on vous dira ce qu'on en pense également. Et à la fin de l'année, le Terramar, donc un autre SUV chez Cupra, sera présenté, qui sera pour sa part, lui, hybride, alors que le Tavascan est full électrique. Et sinon, l'autre très grosse nouveauté qui arrivera dans la gamme Cupra, il faudra attendre pour ça 2025, et il s'agira de la Raval. Ce sera une petite citadine, à peu près équivalente, on va dire, à la Volkswagen ID2, c'est la même base technique. Et ça, ça risque d'aller, à mon avis, ratisser très très large et aller chercher des clients peut-être un peu plus jeunes, qui veulent une voiture électrique de ville sympa, qui a de la gueule, et qui, sur le papier en tout cas, promet pas mal de performances. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, si vous aimez, si vous aimez pas. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'Automobile Magazine.